Bonjour, chers apprenants. Je suis très ravi de vous retrouver en ce jour. Et avec vous, nous allons continuer notre voyage de pensée. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes avec votre cher professeur, M. Aristide Lebongi. Pour ce qui concerne notre voyage de pensée de ce jour, nous continuerons à explorer sur les rapports entre la conscience et le corps. Mais bien avant, j'aimerais bien vous faire part de cette petite histoire que j'ai vécue moi-même. Quand je suis en classe de terminale, après avoir étudié la définition de la conscience, j'ai commencé à voir les choses autrement. Au départ, lorsque j'observais de l'eau, je l'attribuais la couleur du récipient. Pourtant, à l'école primaire, j'aurais appris que l'eau est incolore. Mais jusqu'au lycée, j'attribuais à ce liquide la couleur du récipient. Et chaque fois que j'attribuais cette couleur, je me faisais des idées dans ma conscience. Par là, je comprenais que la conscience était dépendante du corps. Quand j'ai étudié la définition de la conscience en classe de terminale, j'ai fini par comprendre qu'avant de poser un acte, je dois d'abord agir. C'est comme si la conscience dictait à mon corps ce qu'il doit faire. Et par là, je déduis, le corps est dépendant de la conscience. Finalement, je me suis rendu compte par la suite que la conscience a besoin du corps pour avoir des pensées et des idées. Et le corps, pour agir, a besoin de la conscience. Donc, entre ces deux entités, il n'y a pas de préférence, sinon une certaine complémentarité. Alors, c'est pour vous dire quoi? Que dans votre vie de tous les jours, évitez d'avoir des préférences. Chaque fois que vous voulez faire recours à votre corps, n'ignorez pas la conscience. Et quand vous voulez faire quelque chose en vous servant de votre conscience, il ne faut jamais faire fi de votre corps. Il faudrait que les deux fassent bon ménage. C'est en ce moment-là que vous allez parvenir à la vérité. Alors, chers apprenants, ne perdez pas votre raison. Sinon, vous risquerez de vous égarer à l'horizon et finir votre vie en prison. Merci. Alors, la science de ce jour va porter sur l'union entre la conscience et le corps. Voilà pourquoi, à la fin de cette leçon, vous, apprenant de la classe de terminale, vous devriez être en mesure d'analyser toutes les deux conceptions de l'union entre la conscience et le corps à partir de l'exposé du professeur.
Alors, précédemment, vous avez étudié que l'âme et le corps entretiennent deux types de rapports. Si je mets âme, âme, corps. Alors, le trait d'union symbolise le rapport, le lien entre ces deux entités. Jean 4. Nous avons les deux rapports. Regardez bien le schéma. On fait comme en SVT. Le premier rapport que vous avez étudié, c'est la distinction âme-corps. Distinction âme-corps. Et le deuxième rapport, celui que nous allons étudier aujourd'hui, union âme corps. Avant d'analyser cette union, nous allons faire un retour en arrière pour vérifier si vous avez bien assimilé la distinction âme-corps. Alors, à ce niveau, vous avez examiné deux dimensions. La première, c'est la supériorité de l'âme sur le corps, autrement dit, dans leur relation, l'âme est la réalité première et le corps la réalité seconde. C'est l'âme qui commande et le corps obéit. La deuxième dimension, l'ordre est inversé. C'est plutôt le corps qui prend le dessus sur l'âme. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Le corps qui, selon Platon et René Descartes, était relégué au second plan avec Karl Marx et Nietzsche, le corps occupe la première place. Il devient l'élément fondamental de l'être humain. Pendant ce temps, l'âme ou la conscience est considérée comme un épiphénomène. Un épiphénomène. Alors, ça signifie quoi, épiphénomène? Phénomène. Il y a deux mots ici. Le premier, c'est épi, et épi veut dire faux.
Le deuxième mot, c'est le phénomène. Le phénomène, c'est ce que nous observons dans la nature, ce qui est visible, autrement dit, l'objet, la chose. Donc, le épiphénomène, de façon littérale, signifie un faux objet. Or, quand il y a le faux, on doit penser au vrai. Et le faux, c'est ce qui est second. Le vrai, c'est ce qui est premier. Donc, épiphénomène signifie phénomène secondaire. Ou phénomène surajouté. Phénomène surajouté, accessoire. Bref, ce qui n'a pas assez d'importance. Donc, si le corps, si l'âme est un épiphénomène, c'est-à-dire que par rapport au corps, elle est une activité secondaire. Et c'est le corps qui assure la primauté. La conscience devient à ce niveau son instrument, son jouet. Comme pour autant dire que la conscience est au service du corps. Vous voyez? Alors, la relation âme-corps est renversée. C'est pour autant dire que le corps commande et l'âme ou la conscience obéit. Bien, c'est ce que vous avez étudié avec les épiphénoménistes, en l'occurrence Karl Marx et Friedrich Nietzsche. Les deux sont des philosophes allemands du 19e siècle. Alors, qu'en est-il de l'union entre l'âme et le corps? Regardez bien. L'union vient du verbe unir. Et unir veut dire quoi? Mettre ensemble, lier. À ce niveau, nous allons montrer que l'âme et le corps font bon ménage. Les deux vont de pair et ils ne s'opposent pas. Chaque fois que nous voyons le corps, nous devons également penser à l'âme. Et les deux combinés formant l'être humain. Et cette union sera comprise au travers des conceptions des philosophes comme Lucrèce. Lucrèce, vous l'avez déjà étudié, je me souviens, en classe de seconde, sur la question de l'être. Et le deuxième philosophe que nous allons étudier, c'est René Descartes. Il est partout, Descartes. René Descartes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, Lucrèce. Lucrèce. C'est un philosophe matérialiste
et poète romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est né vers 99 et mort vers 55 avant Jésus-Christ, donc avant notre ère. Alors, quel est son vrai nom? Il est connu sous le nom de Lucrèce. Mais son vrai nom, c'est Titus Titus Lucretius Titus Lucretius Carus. Voilà. Et ça, c'est son vrai nom en latin. Et ce nom a été francisé. Lucrèce. Vous voyez, si vous vous rappelez, en classe de seconde, on vous avait parlé de Confucius. Vous voyez, un Chinois, Maître Kong. Et le nom a été latinisé, Confucius. Voilà. Alors, Lucrèce a étudié la philosophie de Zénon, le fondateur du stoïcisme. Et il s'autoproclamait lui-même comme disciple d'Épicure. C'est pour autant dire que sa philosophie n'est autre que la reprise de la philosophie épicurienne. Il est l'auteur d'un poème célèbre intitulé « De la nature ». Qu'est-ce qu'il faut comprendre de sa conception ? Lucrèce, comme tout bon matérialiste, prône l'existence de la matière. L'existence de la matière. Pour ne pas dire la primauté de la matière sur la conscience ou l'âme. Mais lui, il développe une conception purement moniste. Le monisme, voyez, ça vient du latin monos, un seul. Donc le monisme est cette doctrine qui soutient l'existence d'une seule entité chez l'homme. Donc, doctrine selon laquelle l'homme n'a qu'une seule. L'homme n'a qu'une seule réalité. L'homme n'a qu'une seule réalité. Certainement, le tableau est tellement petit, chers apprenants, vous allez vous habituer. Doctrine, voilà, selon laquelle, pour faciliter la visibilité, selon laquelle l'homme n'a qu'une seule réalité. Pourtant, avons-nous dit au départ que l'homme est composé d'une âme et d'un corps. Mais les monistes rejettent cette distinction pour dire que l'âme et le corps constituent une seule et même réalité.
Bien, cette doctrine s'oppose au dualisme. Dualisme. Doctrine selon laquelle l'homme est composé d'une âme et d'un corps qui sont de nature différente. Voilà. Comme pour dire que Lucrèce s'oppose à Platon. Laissons d'abord de côté René Descartes, puisqu'il vient après lui. S'il faut rester dans l'Antiquité, nous allons dire que contrairement à Platon, qui pense que l'homme a deux éléments, l'âme et le corps, qui sont réellement distincts, Lucrèce vient dire non, l'homme n'a qu'un seul élément, n'a qu'une seule entité. Et cette entité, c'est quoi? En réalité, c'est le corps. Rappelez-vous, nous avons dit au départ que c'est un philosophe matérialiste. Et comme son maître Épicure, Lucrèce pense que tout ce qui existe est composé d'atomes. Or, les atomes sont des corps subtils. Donc, dans le corps, il y a les atomes. Dans l'âme, il y a les atomes. Mais les atomes sont des particules de la matière. Donc, l'âme a une origine matérielle et l'âme devient une partie du corps. Le rapport entre l'âme et le corps, aux yeux de Lucrèce, c'est le rapport corps à corps. Et l'âme est une partie du corps, tout comme les yeux, les mains, les pieds. Dans ce rapport, Lucrèce nous dit que l'âme et le corps ont la même destinée. Les deux naissent, grandissent et meurent ensemble. Ils se dissipent seulement dans l'air après la mort. Donc, séparer l'âme du corps serait séparer l'homme. Or, l'homme forme un tout indivisible. On ne peut pas le dissocier. Pour soutenir cette conception, voici ce que Lucrèce nous propose. Cette âme ainsi composée se trouve abritée par l'ensemble se trouve
abrité par l'ensemble du corps dont elle-même assure à son tour la garde et le salut On s'arrête là. Cette âme ainsi composée se trouve abritée par l'ensemble du corps dont elle-même assure à son tour la garde et le salut. Alors, ces informations, vous les aurez dans l'unique poème de Lucrèce, titré « De la nature ». De la nature. Tome 1, livre 3. Vous voyez, de la nature comme la Bible est écrite en verset. Donc ici, vous avez le verset 177. Alors, ça veut dire, quand vous avez le verset, vous pouvez ou ne pas avoir besoin de la pagination. Donc, il suffit seulement de prendre n'importe quelle édition. Vous cherchez le verset 177, vous aurez cette pensée. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir à ce sujet? Je reprends la lecture. Suivez attentivement. Cette âme ainsi composée se trouve abritée par l'ensemble du corps dont elle-même assure à son tour la garde et le salut. Bien, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'un côté, nous avons l'âme et de l'autre, nous avons le corps. Bien, je reprends la lecture. Cette âme ainsi composée se trouve. Non, il y a un lapsus. Lapsus calami. Et c'est l'inconscient, ce que nous allons étudier bien après ce rapport. Alors, d'un côté, nous avons l'âme. Et de l'autre, il y a le corps. Qu'est-ce que Lucrèce dit? L'âme est abritée par l'ensemble du corps. Qu'est-ce que signifie abriter? Abriter. Alors, sur d'autres cieux, si on était à l'école primaire, je dirais la maison. Ici, abriter peut être remplacé par loger. Donc, Lucrèce veut nous dire que le corps est une enveloppe qui loge l'âme. L'âme vit dans le corps. Donc, le corps logeant l'âme. Si on s'arrêtait, à ce niveau, qu'est-ce qu'on allait dire? Que le corps est supérieur à l'âme. Donc, l'âme, pour vivre, a besoin du
du corps. C'est sans le corps, l'âme n'est rien. On ne peut pas concevoir une âme sans corps. Si on continue la pensée, dont elle-même est mise pour l'âme. Donc, dont elle-même assure à son tour la garde et le salut. C'est pour autant dit que dans ce rapport, il n'y a pas que le corps qui joue un rôle considérable. L'âme n'est pas passive, elle est aussi active. Donc, elle a aussi sa partition à jouer. Quelle est cette partition? L'âme assure la protection, donc la sécurité du corps. Si nous considérons la deuxième partie de cette pensée de Lucrèce, on a tendance à considérer la primauté de l'âme pour dire que le corps, pour être sécurisé, pour être bien gardé, a besoin de l'âme. Et si nous prenons ces deux moments, nous les mettons ensemble, alors nous constatons quoi? Que aucune de ces deux éléments ne se suffit à elle-même. L'âme a besoin du corps pour être logé et le corps, à son tour, a besoin de l'âme pour assurer sa protection. Par là, qu'est-ce que nous retenons? La conséquence que nous pouvons tirer de cette union, c'est qu'il existe une interdépendance, une complémentarité. Conséquence, il y a une complémentarité. Tout effacé, pas grave, nous allons y revenir. Il y a une complémentarité entre l'âme et le corps, l'entraide mutuelle entre les deux. Alors, c'est grâce à cette complémentarité que nul ne peut se séparer de l'autre. Cette complémentarité vient également montrer que l'âme et le corps ont les mêmes racines, autrement dit, la même origine. Et c'est grâce à cette même interdépendance que l'homme arrive à connaître. Bien. Au regard de ce que nous venons de dire sur Lucrèce, il convient de retenir que d'après ce penseur romain du 1er siècle, l'âme et le corps font bon ménage. Nul n'est supérieur à l'autre. Et par rapport à ce que nous étudions, ou ce que nous venons d'étudier avec vous, bien sûr, Lucrèce, donc nous pouvons utiliser Lucrèce pour remettre en cause
les conceptions platoniciennes et cartésiennes sur la supériorité de l'âme sur le corps. D'une part, et d'autre part, les conceptions marxiennes et nietzschiennes sur la supériorité du corps sur l'âme. Donc, pour Lucrèce, le rapport n'est plus vertical. Le rapport devient horizontal. Le rapport devient horizontal. J'espère que vous comprenez et vous me suivez bien. Il est de l'Antiquité, Lucrèce. Mais nous allons maintenant parler de René Descartes. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la pensée cartésienne? Dès le premier moment, des rapports entre la conscience et le corps, plus précisément dans la partie distinction âme-corps. À côté de Platon, nous avons parlé de René Descartes. Si Lucrèce prône un monisme matérialiste, René Descartes, lui, il reste dans son dualisme. Pour autant dire qu'en l'homme, il y a deux éléments. D'un côté, nous avons l'âme et de l'autre, nous avons le corps. Au-delà de leur rapport vertical, donc le rapport vertical, je dis bien le rapport vertical, suivez, chers apprenants, le rapport vertical de l'âme et du corps, c'est-à-dire l'âme supérieure au corps. René Descartes s'oppose à Platon qui reconnaît l'incompatibilité entre les deux. Lui, il pense que l'âme et le corps ne s'opposent pas. Les deux cheminent ensemble. Les deux sont intimement liés. On peut même aller au-delà de cette dualité pour parler d'une manière ou d'une autre d'un monisme. On peut dire un monisme dualiste. C'est-à-dire, au-delà de leur distinction, les deux sont mélangés et formant un seul tout. Donc, à un certain moment, on peut les confondre. C'est dans ce sens qu'il nous enseigne dans son ouvrage intitulé, « Les méditations métaphysique. Voici ce qu'il dit, Descartes. J'espère que vous avez fini de noter la pensée de Lucrèce. Nous allons maintenant mettre René Descartes. Voici ce que dit Descartes. Nous enlevons la première partie et nous allons prendre la suite. Je ne suis pas seulement Je ne suis pas seulement logé dans mon corps,
ainsi qu'un pilote je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu'un pilote. En son navire. Un pilote en son navire. Mais outre cela, que je lui suis conjoint. Très étroitement, et tellement confondu. Et mêlé que je compose comme un seul tout. Avec lui. Bien. Méditation. Métaphysique. Méditation métaphysique. À ne pas confondre avec les méditations cartésiennes d'Edmundo Husserl. Méditation métaphysique. La présentation de la présentation de Jean-Marie Peyssade associé à Michel Bessad. Le lieu de publication, Paris, l'édition, Flammarion, l'année de publication, 1979, page 179. Voilà.
On revient sur la pensée. Je ne suis pas seulement logé dans mon corps ainsi qu'un pilote en son navire, mais outre cela, que je lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé que je compose comme un seul tout avec lui. Bien. On reprend la lecture. Suivez attentivement. Je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu'un pilote en son navire, mais outre cela, que je lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé que je compose comme un seul tout avec lui. Alors, quand René Descartes parle de « je », il fait allusion à quoi? Après avoir montré la supériorité de l'âme sur le corps, après avoir montré la distinction entre ces deux entités, René Descartes est confronté à une difficulté. Laquelle? Celle des passions qui agitent l'âme. Il se rend compte que malgré le fait que l'âme soit la réalité première à travers laquelle l'homme se détermine, mais pour expliquer les sentiments de faim, de douleur, de soif, René Descartes se voit obligé de reconnaître l'unicité de l'âme avec le corps. En réalité, quand il dit « je », le « je » par rapport à ce que nous étudions, c'est la conscience, c'est l'âme. Mais l'âme n'a pas de forme. L'âme est invisible. Sa nature est la pensée. L'âme connaît plus que le corps. Si l'âme et le corps n'étaient pas liés, le corps étant le lieu des sentiments, devrait avoir faim ou pouvait avoir soif. Mais René Descartes n'allait pas dire « j'ai soif, j'ai faim ». C'est parce que quand son corps a soif, René Descartes éprouve le désir d'étancher sa soif. Quand le corps a faim, l'âme pouvait savoir que le corps a faim, le corps a soif. René Descartes n'allait pas avoir soif. Mais étant donné que c'était un humain, à un certain moment, il peut éprouver ses sentiments. René Descartes dit, ah non, au lieu de les séparer, on doit reconnaître leur union. Et il dresse un parallélisme entre, d'une part, le pilote et son navire, d'autre part, l'âme et le corps. Donc, de la même manière que le pilote se trouve dans son navire pour le mettre en mouvement, c'est aussi de cette manière que l'âme se trouve logée dans le corps pour mettre le corps en mouvement. Parce que sans la présence de l'âme, le corps n'est qu'un cadavre. Alors, pour aller plus loin, Descartes dit, l'âme n'est pas seulement dans le corps, mais il lui est aussi uni. Pourquoi? Parce que les sentiments du corps agitent l'âme, de telle sorte que les deux sont tellement liés et sèment de la confusion. Par là, on peut dire
qu'il n'y a pas la ligne de séparation entre l'âme et le corps. Quand on parle de l'homme, on voit les deux. Il n'y a pas d'homme sans corps, il n'y a pas d'homme sans âme. Donc, on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. Et inversement, l'homme devient alors un tout cohérent, un tout indivisible. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir au regard de tout ce que nous venons de dire au sujet de l'union entre l'âme et le corps? C'est que l'homme est indissociable. L'âme et le corps sont compatibles et les deux se complètent. Cette conception vient remettre en cause la pensée de Platon selon laquelle le corps est un obstacle pour l'épanouissement de l'âme. Alors, chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de notre voyage philosophique. Mais avant de nous séparer, nous allons vous proposer un exercice. L'enseignant a expliqué. Donc, vous aussi, vous ne devrez pas rester passif. Vous devrez jouer un rôle. Alors, le rôle que vous allez jouer pour la compréhension de cette leçon, c'est la résolution du sujet qui vous sera proposé tout à l'heure. Alors, voici le sujet. Sujet. Peut-on concevoir l'âme sans le corps? Peut-on concevoir l'âme sans le corps? Autrement dit, l'âme peut-elle exister indépendamment du corps? Bien. Alors, prochainement, vous devrez faire des recherches. Nous allons évoquer la quatrième notion, à savoir les théories de les théories de l'inconscient. Bien, chers apprenants, je suis persuadé que vous étiez aussi nombreux à nous suivre et je suis persuadé une fois de plus que chacun de vous va donner de la peine pour traiter cet exercice. Et nous allons nous retrouver très prochainement, cette fois-ci, pour parler des théories de l'inconscient.